Voilà, je ne sais pas si tout le monde entend. Oui. Donc, on revient d'avoir confirmation que le ministère a bel et bien demandé à la préfecture ce matin de faire arrêter les travaux par Vinci. Apparemment, l'entreprise en plus haut lieu a été prévenue. On a vu un camion avec une machine qui est partie. Je voudrais, devant vous tous, remercier ici la gendarmerie et le colonel. Son général est au courant aussi que Vinci doit arrêter les travaux. Nous sommes en train d'entraver la circulation. Les gendarmes ont eu la gentillesse de bloquer des deux côtés. Ça fait quand même, m'a-t-il dit, une entrave à la circulation qu'il faudrait qu'ils signalent. Mais je crois que pour la sécurité, c'est ce qu'il y avait de plus sérieux à faire. Par contre, maintenant qu'on sait qu'ils n'ont pas le droit de travailler, je lui ai promis que nous allons dégager la route pour que la circulation puisse à nouveau se faire. Ce qu'on vous propose, c'est de rentrer le plus simple dans la forêt pour qu'on puisse continuer notre petit casse-croûte et notre petite occupation là-bas, le temps de voir que tout le monde part effectivement. Donc j'ai promis, vous seriez gentil de le tenir et de le faire, on libère la route pour que la circulation puisse à nouveau se faire normalement. Merci d'avance.